Lorsque je pense à l'entrepreneuriat traditionnel, à celui de nos parents et à celui avant lui, je suis reconnaissante. Pour le chemin tracé, les portes qui nous ont été ouvertes, les technologies qui nous ont propulsés, à l'ère du tout est possible, du tous sont capables, à l'ère d'aujourd'hui et à l'espoir de demain. Cet espoir nous projette. Lorsque je pense à l'entrepreneuriat de demain, je me dis que nous pouvons faire encore plus, mais surtout que nous devons faire mieux. L'entrepreneuriat de demain est honnête, il est juste. Il protège et assure la sécurité et l'intégrité des moins fortunés. Il va au-delà des entreprises, survole les frontières, brise les barrières. Bien sûr, l'entrepreneuriat de demain enrichit nos proches, notre pays, nos pays. Il profite aux cœurs, aux esprits. Il répartit les richesses, les ressources, son succès monétaire, humanitaire, planétaire. Par son réseau et sa connexion à travers le monde, l'entrepreneuriat de demain rassemble, il inclut, il brille de sa diversité, de son hétérogénéité, de son unicité, surtout de sa créativité. Sa force est dans sa communauté. Quand je pense à nos entrepreneurs de demain, je me dis qu'ils sont audacieux, qu'ils sont créatifs, innovateurs. Ils ont les idées les plus folles, celles qui redéfinissent l'impossible, les règles, les cadres, les mesures. Ils investissent leur talent, leur ténacité et leur travail acharné dans ces inventions utiles qui rendent notre monde meilleur. Lorsque je pense à l'entrepreneuriat de demain, je me réjouis de son engagement et de sa bienveillance, de sa sensibilité pour son environnement, son bien-être et son bon fonctionnement. Le caractère équitable et écologique de ses procédés, de ses politiques, m'épate. Finalement, lorsque je pense aux humains qui constitueront les entrepreneurs de demain, je les vois joyeux, libres, débordants d'intelligence et de curiosité. Je les imagine équilibrés et en santé et je salue leur capacité à parfois s'arrêter pour mieux repartir. Je suis satisfaite de les savoir unis. Honnêtement, lorsque je pense aux entrepreneurs de demain, je pense à lui, à elle, à moi, je pense à toi. L'espoir de l'entrepreneuriat présent rend facile d'imaginer notre entrepreneuriat de demain. Mais pour reprendre les célèbres mots d'un théoricien renommé, je conclue en nous rappelant que le meilleur moyen de prédire notre avenir, c'est de le créer. L'entrepreneuriat de demain commence aujourd'hui.